tournoi de Noël de Motus. Nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir 4 demi-finalistes pour cette nouvelle émission, Marie-Thérèse et Claude. Et ils joueront aujourd'hui avec Romane et François. Et tout de suite, on accueille sous vos applaudissements Thierry Beccaro. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, ben oui, le tournoi de Noël de Motus touche à sa fin. Enfin, on en est encore aux demi-finales. Mais on s'approche doucement mais sûrement. Et nous avons vraiment des candidats remarquables qui jouent toujours pour l'association Le Rire Médecin, dont on vous parlera tout à l'heure, et qui ont un sacré talent, voilà, comme Claude et Marie-Thérèse, que je suis ravi de retrouver. Ben oui, finalement, voilà, vous êtes en demi-finale. Oui. Comment ça va, Marie-Thérèse ? Très bien, Thierry. Depuis la dernière fois ? Très bien, on a bien fêté Noël. Bon, vous me rappelez rapidement hein, d'où vous venez, Marie-Thérèse ? De Belfort, en Franche-Comté. Et bon. À ce sujet, je vous ai apporté des gâteaux qui sont fabriqués en Haute-Saône, notre département natal. Ah bah et ils ont une histoire parce que la recette vient du cuisinier du roi Louis XVI qui, lorsque le roi a été arrêté, s'est réfugié en Haute-Saône et a donné sa recette. Très bien. Vous mettez ça de côté hein, je Tout compte à sur fait. Vous. Comme ça, vous pourrez goûter. Faites-moi confiance. Je vais m'en emparer très, très vite. Ça va bien, Claude ? Très bien, Thierry. Bon, ravi de vous retrouver tous les deux. Vous jouerez contre François et Romane, qu'on connaît bien à Motus. François et Romane, comédiens. Tous les deux. Romane, qui joue en ce moment à Paris la veuve. Dans une opérette qui s'appelle La Veuve Chou-Fleury. C'est d'Offenbach. Voilà. Et je pense qu'on doit passer un très, très bon moment. Rien que le titre, déjà, c'est bon. Ça va, François ? Vous aussi, très bien. Vous jouez hein, dans cette opérette. Je joue également dans cette opérette et d'autres projets en parallèle. Voilà. Et vous jouez également très, très bien quand vous êtes sur le plateau de Motus. C'est pour ça que vous êtes en demi-finale. Voici les grilles pour commencer cette partie, Romane, François. Alors, vous avez droit, évidemment, au numéro magique. C'est le numéro 3. Voici votre grille, Marie-Thérèse, Claude. Et nous allons saluer, évidemment, parce qu'ils le méritent vraiment tous et toutes, toutes celles et tous ceux qui font partie du Rire Médecin. C'est l'association pour laquelle vous jouez, Romane, François, Marie-Thérèse, Claude. Oui, depuis bientôt 25 ans, le Rire Médecin forme et envoie des clowns professionnels dans les hôpitaux. Chaque année, c'est près de 100 comédiens clowns de l'association qui offrent plus de 71 000 visites aux enfants et à leurs familles dans 45 services pédiatriques. Il leur redonne ainsi le pouvoir de jouer, de chanter et de rire pour mieux faire face à la maladie. Merci Myriam. Le jour de la finale, Gérald Dahan, qui est le parrain de l'association, sera des nôtres et nous remettrons un joli chèque de la part de France Télévisions. Oui, on est ravis de leur offrir effectivement un chèque qui s'élève à 15 000 euros. Alors, ben, puisque je parle de la finale, je voudrais qu'on s'intéresse aux finalistes. Alors les finalistes, en général, ce ne sont pas les gagnants. Mais ils sont en finale, donc ils ont bien mérité le cadeau que voici. Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, vous offre une semaine pour deux personnes en demi-pension à l'hôtel Belle Plagne. Venez profiter des bienfaits de l'air, de la montagne. Voilà pourquoi il faut tout faire pour aller en finale. Et ça n'est pas fini, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voici quelques cadeaux pour vous encourager. Et oui, les fleuristes Flora Jet vous offrent un bouquet de fleurs originales livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Et ce n'est pas terminé puisque Jeff de Bruges vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de pâtes de fruits, d'orangettes et de plein d'autres douceurs en chocolat. Alors, un petit mot sur cette demi-finale. Vous allez jouer pendant une vingtaine de minutes. Voilà, on va jouer, on s'arrêtera deux secondes pour faire place au programme de France Télévisions. Nous cherchons des mots de 10 lettres. Voilà, d'accord ? Et on ne s'arrête pas et on va jusqu'au bout en espérant que eh bien, vous arriviez justement en finale. On verra ça dans un instant. Pour l'instant, c'est Romane qui va commencer.
Donc nous cherchons des mots de 10 lettres, je dis ça pour celles et ceux qui sont à la maison. Amusez-vous bien, bonne chance Romane, c'est parti. Chauffard, C-H-A-U-F-F-A-R-D-S. Cochonnet, C-O-C-H-O-N-N-E-T-S. Cicatrice, C-I-C-A-T-R-I-C-E-S. Couturière, C-O-U-T-U-R-I-E-R. Ah mince. Eh oui, le couturier a pris la place de la couturière. Marie-Thérèse, la lettre bonus, la voici, c'est le R. Citrouille, C-I-T-R-O-U-I-2-L-E. Marie-Thérèse, à vous de mélanger, s'il vous plaît. Le 36. Claude. Le 40. Pas mal ça, pas mal du tout. Claude, nous cherchons un mot de 10 lettres qui va commencer par la lettre F. Fournaise, F-O-U-R-N-A-I-S-E-S. Formidable, F-O-R-M-I-D-A-B-L-E. C'est vous qui êtes formidable, Marie-Thérèse, bravo. À vous de mélanger, Marie-Thérèse. Le 32 rapporte 100 points, vous vous rendez compte? Ah. Ça, c'est moins intéressant. Romane, à vous, voici la lettre M. Moustique, M-O-U-S-T-I-Q-U-E-S. Mascarade, M-A-S-C-A-R-A-D-E-S. Mirabelle, M-I-R-A-B-E-L-L-E-S. Musaraigne, M-U-S-A-R-E-I-N-E. Aïe, 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 putain. Aïe, ça, c'est des cadeaux pour Marie-Thérèse, ouais. Qui va récupérer la lettre bonus. Le U. Musaraigne, M-U-S-A-R-A-I-G-N-E. Et ça fait 150 points plus, Claude, si vous prenez le 32. Allez, Marie-Thérèse. Le 32. Vous l'avez regardé comme si vous n'y croyiez pas. Oui, genre, je me suis dit. Est-ce que c'est bien celui-là, celui qui rapporte 100 points? Et oui, effectivement, c'est le 32 qui vous permet de mener à présent 250 à rien. Bon, alors la partie, François, va durer un certain temps, donc pas d'inquiétude, mais pas trop d'erreurs. Hein, parce ouais, que, ouais, sinon, d'abord, il y a Romane qui n'est pas très content, je le vois bien. Et puis sinon, bah, alors là, vous allez laisser filer Marie-Thérèse et Claude. On va changer les grilles. Claude, ce sera à vous de jouer juste après. Allez, bonne chance Romane, François, bah, Marie-Thérèse, que ça continue comme ça. Jusque-là, tout va bien. C'est à vous de jouer, Claude. Nous cherchons un mot de 10 lettres qui commence par la lettre B. Bourdaines, B-O-U-R-D-A-I-N-E-S. Baptismale, B-A-P-T-I-S-M-A-L-E. Blanchâtre, B-L-A-N-C-H-A-T-R-E. Balancier, B-A-L-A-N-C-I-E-R-S. Balancelle, B-A-L-A-N-C-E-2-L-E.
Bravo, Claude. Vous mélangez Claude, s'il vous plaît. Le 40. Marie-Thérèse. Le 12. Vous avez 300 points pour l'instant, Marie-Thérèse. Et vous jouez, s'il vous plaît, avec la lettre A. Affirmatif. A, 2, F, I, R, M, A, T, I, F. Abasourdi. A, B, A, S, O, U, R, D, I, E. Affolement. A, 2, F, O, L, E, M, E, N, T. Marie-Thérèse, c'est la grande forme. Ah oui, oui, oui. Marie-Thérèse, 350 points. Vous mélangez, s'il vous plaît. Le 8. Alors, il ne manquerait plus que vous preniez le 6. Le 30. Bon, il y a Romane et François qui patientent, mais là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, hein. Allez, Claude, voici la lettre H. Houspiller, H-O-U-S-P-I-2-L-E-R. Héritière, H-E-R-I-T-I-E-R-E-S. Hydratante, H-Y-D-R-A-T-A-N-T-E. Hertzienne, H-E-R-T-Z-I-E-2-N-E. Bravo, Marie-Thérèse, bravo. 400 points à présent. Avec le 6, ça fera 100 points de plus, Marie-Thérèse. Le 38. Alors, le 34, ce serait pas mal non plus, Claude. Le 6. Ah, ça, c'est la demi-finale qui fait mal. Hein. Là, François, les deux erreurs, là, ouais. elles coûtent très, très cher. Hein. Oh, me regardez pas comme ça, Romane, vous savez, je n'y suis pour rien, je compatis. Mais là, ça fait quand même 500 points. La route risque d'être longue. On va l'appeler la Grande Muraille de Motus. Nous allons changer les grilles une fois de plus et nous retrouverons juste après Claude. Voilà, Romane, votre nouvelle grille. C'est valable également pour François, bien sûr. Marie-Thérèse, Claude, ça c'est pour vous. Vous vous attendiez à jouer, Claude? Eh bien, vous allez patienter un petit peu. Voilà, on fait une petite pause et nous revenons juste après pour la suite de cette demi-finale du tournoi de Motus. Samedi soir, avec Stéphane Bern, Élodie Gossuin et la présidente de l'association, une émission qui tombe pile poil pour les 170 ans de la SPA. Nous allons rire, nous détendre, nous émouvoir aussi. Il y aura de la chanson, du show, des séquences inédites. Depuis toute petite, je suis entourée d'animaux. C'est incroyable à quel point on peut être attaché à son animal. Ce que je trouve beau dans toutes ces histoires, c'est vraiment des histoires d'amour. Quel beau programme pour bien démarrer cette nouvelle année et fêter les animaux. 170 ans de la SPA, les plus belles histoires. Samedi soir à 20h55, France 2 fête les animaux de tout poil. Motus continue sur France 2 avec les audioprothésistes Entendre. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus.francedeux.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le 25 janvier à Paris, le 28 à Mons, le 29 et le 30 janvier à Lille. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou bien rendez-vous sur motus.francedeux.fr. Vous regardez la demi-finale, la première demi-finale du tournoi de Noël de Motus avec Claude, Marie-Thérèse, François et Romane. On peut simplifier les choses en disant que ça va très bien pour Marie-Thérèse et Claude qui mènent 500 à rien. Voilà. Bon, courage Romane
Et bonne chance, Claude, nous cherchons un nouveau mot de 10 lettres qui commencera par un R. Romantique, R-O-M-A-N-T-I-Q-E. Reclassé, R-E-C-L-A-2-S-2-E-S. Ringardage, R-I-N-G-A-R-D-A-G-E. Richissime, R-I-C-H-I-2-S-I-M-E. Alors, on continue, Marie-Thérèse. Allez, un petit mélange. Le 10. Claude. Le 56. Et alors vous, il n'y a plus de boules noires, hein, ça n'existe plus. Hein, au début, il y en a... On les ignore. Ouais, ouais, ouais. C'est une bonne technique, ça. 550 points. Allez, pour arriver à 600, Claude, il faut trouver ce mot de 10 lettres, commençant par un D. Douanière, D-O-U-A-N-I-E-R-E-S. Dégression, D-E-G-R-E-2-S-I-O-N. Alors là, je ne suis pas certain là, que dégression, que ce soit valable. Digression, éventuellement. Oui, digression, hein, effectivement. C'est ça. Oui, donc, on passe la main tout de suite. Romane est très impatiente de jouer. Et elle a quand même un peu de retard. Allez-y, Romane, la lettre bonus. Digestion, D-I-G-E-S-T-I-O-N-S. Dégoûtante, D-E-G-O-U-T-A-N-T-E-S. Ah, merde. Mince, pardon. Mince. Là, c'est la fin de votre histoire avec Romane. Ouais, Romane, elle n'en peut plus. Vous jouiez de temps en temps avec elle, en doublure? Ouais, toujours. Ouais, c'est mort. Hein. Là, à mon avis, je sais pas, enfin bon. Allez, une lettre bonus pour vous, Marie-Thérèse. Le O. Dégouliné, D-E-G-O-U-L-I-N-E-R. Qu'est-ce que je dise? Il n'y a plus de commentaires. Marie-Thérèse est dans une forme olympique. Claude joue très bien. Bon, vous allez mélanger quand même. François joue très mal. Le 46. Alors, le 22 vous permettrait de marquer 100 points. Le 8. Allez, Claude, c'est à vous de jouer. Voici la lettre G. Gazouiller, G-A-Z-O-U-I-2-L-E-R. Gastronome, G-A-S-T-R-O-N-O-M-E. Ouais, non, mais là. On ne peut que s'incliner, hein, ça c'est sûr. Oui, que... non, mais moi il y a contrôle. Hein, à la fin de l'émission, vous passez au contrôle. Hein. Entendu, pas de problème. Oh là là, 650 points. Et le 22, hein, pendant qu'on y est, vous prenez le 22, vous marquez 100 points de plus. Le 20. Ah ouais. Vous avez le 6 également à disposition. Le 70. La Haute-Saône. Allez, nous continuons, Claude, avec la lettre E. Épuration, E-P-U-R-A-T-I-O-N-S. Électoral, E-L-E-C-T-O-R-A-L-E. Embrayage, E-M-B-R-A-Y-A-G-E-S. Enchaussée, E-N-C-H-A-U-2-S-E-R. Expéditif, E-X-P-E-D-I-T-I-F-S. Enchanteur, E-N-C-H-A-N-T-E-U-R. Alors, qu'est-ce que je vous propose au niveau des grilles?
Bon, bah le 6, le 22, c'est déjà pas mal. Le 16. Oh. Le 22. Ah. 22, les v'là. Et comment on fait s'il monte à 1000? Parce qu'il n'y a plus de place tout, sur le... On reprend tout depuis le départ. Ouais. On reprend tout à zéro. Ouais. Donc attention, 800 points, ça faisait longtemps, hein, 800 points, François, Roman, on y croit encore. Hein. Bon, on va garder le sourire et cette bonne humeur qui est la vôtre, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ou alors vous vous effondrez en larmes, je viens vous consoler, donc on va changer les grilles. Très bien. Et on joue avec Claude juste après. Ce que je peux faire, c'est essayer de vous amuser avec mon nez, comme nos amis du Rire Médecin pour lesquels vous jouez. Et on vous en remercie encore, Roman, François. Claude, Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, à part chapeau, bravo. Merci. Vous êtes bien partis pour aller en finale. Ça part plutôt bien. Voilà, vous menez 800 à rien. Ce serait quand même bien le diable. Claude, vous êtes prêt? Tout à fait. Allez. Jalonneuse, J-A-L-O-2-N-E-U-S-E. Justicier, J-U-S-T-I-C-I-E-R-S. Jonglerie, J-O-N-G-L-E-R-I-E-S. Jérémiade, J-E-R-E-M-I-A-D-E-S. Ouais, je reste sans voix. Bravo, Marie-Thérèse. Allez-y, vous mélangez. Le 20. Claude. Le 44. Alors, je vous le dis. Si, continuez, il ferait motus. Hein, c'est... Oui, oui, parce qu'on n'est pas riche, riche en gris, je vous le dis régulièrement. Là, on en a quand même utilisé 3. Il va falloir se calmer quand même. Ça va nous coûter cher. Voilà. Oui, Myriam. Non, non, mais c'est juste pour vous dire que c'est le dernier mot. J'en suis désolée pour Roman et François. Je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient déjà perdu, mais. Non. Ah bon? On pourrait rajouter une demi-heure à l'émission. Ah, moi, je me suis dit peut-être qu'ils y croient encore. Mais, non, mais vous avez raison. Bon, alors, vous trouvez ce mot qui rapporte 100 points. On est déçus. On aurait bien aimé que vous alliez jusqu'à 1000. Je ne sais pas comment on aurait fait. Mais voilà, ça peut faire 950 à l'arrivée, Claude. Allez-y. Libérable, L-I-B-E-R-A-B-L-E-S. Laconique, L-A-C-O-N-I-Q-E-S. Longuement, L-O-N-G-U-E. Ah là là, ah. La faute. Ah, alors là, on est déçus, mais alors vraiment. Oh, mais il en fallait une. Oh, bon. Ah, quel candidat. C'est là. Allez, Roman, pour 100 points, la lettre bonus. Laborantin. L-A-B-O-R-A-N-T-I-N. En fait, je vais vous dire, Claude l'a fait exprès pour que vous puissiez marquer, vous puissiez marquer 100 points. Bravo, quel fair play. 850 à 100. Allez, on vous applaudit tous les quatre. Bravo. Merci. Marie-Thérèse et Claude en finale de ce merveilleux tournoi de Noël de Motus. Et pour vous, Roman, François, ceci. Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs dans 140 destinations France et monde, vous offre un week-end pour deux personnes en demi-pension à l'hôtel Les Jardins de Deauville en Normandie. Bon, ça va? Oui. Bon, on aura passé quand même un bon moment. Oui, on va s'en remettre. Voilà. Et puis, oui, mais j'ai quand même vu une petite larme qui a perlé tout à coup. Et
Bon, en tout cas, merci François. Merci. Pour cette efficacité. Alors donc, je vous souhaite moi surtout de faire votre métier de comédien le plus possible, tant que vous pouvez, tant que vous avez des rôles. La veuve Choufleurie, c'est à Paris. Je vais réussir à vous trouver, vous inquiétez pas. Merci beaucoup Romane, c'était un plaisir. Merci d'avoir joué pour l'association Le Rire Médecin. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour la deuxième demi-finale de ce tournoi de Noël de Motus. Vous serez là, merci, bonne journée.